Danae, j'habite à Bruxelles depuis 16 ans. J'ai appris que j'étais atteinte du papillomavirus en 2014 à la suite d'un frottis, donc d'un contrôle annuel. Ça a été un choc dans le sens où pour moi c'était une maladie sexuellement transmissible, ce qui est le cas. Ma première colère était que mon ex-compagnon avait été infidèle durant notre relation. Et en fait, petit à petit, et grâce à mon gynécologue, j'ai en fait compris que ça n'avait rien à voir et que c'était très difficile en fait de définir qui était la personne qui t'avait donné le virus. Parce qu'en fait, il y a une période de latence entre le moment où tu le contractes et le moment où il se révèle dans ton corps. Et puis j'ai eu peur aussi, parce que l'issue de ça, c'est un cancer du col de l'utérus. Donc tous les 6 mois depuis 2014, je vais faire donc ce frottis de contrôle pour voir quel est le stade de l'évolution du virus. Et en 2015, j'ai subi donc une colposcopie parce que donc le virus avait un peu évolué en stade 2. Et suite à ça, j'ai subi un traitement à l'acide pour détruire les petites parties de mon col de l'utérus qui était en train de se détériorer. Et par contre, le virus est toujours présent. Le problème du papillomavirus, c'est que il peut se soigner tout seul. Donc, normalement, ton corps produit les anticorps nécessaires pour le détruire. Moi, il ne le fait pas. Donc, il faut que je travaille sur mon système immunitaire, en fait. J'ai subi plusieurs interventions et plusieurs traitements qui n'ont pas abouti. Et mon sentiment par rapport à ça, c'est que rationnellement, je me dis un jour ça va fonctionner parce que ça fonctionne pour d'autres, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. Mais par contre, mes émotions sont qu'en fait ça ne va jamais fonctionner et que je vais avoir ce virus toute ma vie. Les risques liés au papillomavirus, dans ma connaissance à moi, sont liés plutôt à la transmission. Donc, c'est-à-dire que je suis porteuse du virus et que tout partenaire que je pourrais avoir pourrait le contracter. Il est très facilement contractable, donc je veux dire qu'on peut, je peux moi le transmettre à n'importe quel partenaire, même avec des protections. En tout cas, c'est ce que les professionnels m'ont dit. Le fait que je le suis porteuse a comme risque qu'il va être contracté par d'autres femmes. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me révolte. C'est rageant, en fait. C'est qu'en fait, il y a un virus qui se balade, qui transmet le cancer. Et voilà, on ne sait pas trop, quoi. C'est un peu... c'est comme jeter une bouteille à la mer. Tu ne sais pas où ça va arriver, comment ça va arriver, mais voilà. Ça touche ma féminité. Ça touche mon envie d'être maman. Même si on m'a dit effectivement que je pouvais toujours avoir des enfants malgré le virus, ça touche à cette partie très intime qui me définit en tant que femme, qui est le col de l'utérus. Donc cette partie-là était assez difficile à gérer. La médecine traditionnelle ne donne pas de traitement. En tout cas, mon gynécologue ne m'a jamais donné de traitement autre qu'à d'arrêter de fumer et de prendre des vitamines pour que mon système immunitaire soit boosté. C'est inadmissible qu'une maladie qui soit tellement répandue soit si peu connue. Elle est très mal connue, même des personnes qui en sont atteintes, même moi. Il y a plein de points d'interrogation autour de cette maladie. J'en parle autour de moi avec des amis qui l'ont eu. Pareil, on en a encore parlé ce week-end avec des amis qui m'ont dit « Mais finalement, est-ce que c'est possible de ne plus l'avoir ?» Alors je fais « Bah oui, je pense qu'on ne peut plus l'avoir. »« Ah oui, mais moi, mon gynécologue m'a dit qu'en fait, on l'aurait toujours. » Donc, c'est des questions qui sont très... il reste encore énormément de questions. Au moment du diagnostic, je savais qu'il existait un vaccin. Car ma cousine avait eu quelques mois plus tôt en fait, le vaccin parce qu'elle avait juste l'âge pour pouvoir l'avoir. Je sais qu'il existe, mais moi personnellement, je ne l'ai jamais eu. Donc si je devais m'adresser aux jeunes maintenant pour leur parler du vaccin, donc les jeunes femmes qui sont en âge d'être vaccinées, je leur dirais de le faire. Parce que si ça peut les prémunir de contracter cette maladie qui finalement est tellement répandue. 80% des femmes l'ont portée dans leur corps.
Beaucoup d'entre elles peuvent le tuer ou en tout cas l'éradiquer naturellement, mais beaucoup d'entre elles aussi peuvent avoir le cancer du col de l'utérus. Et donc c'est un cancer mortel. Et si on peut aider les jeunes femmes à s'en prémunir, alors il faut le faire.